Et nous avons entrepris donc le lancement d'un vaste projet qui est de planter 1 million d'arbres, 1 million de pieds de bois. Bois de chandelle, c'est bois de chandelle. Souvent, ce bois-là, vous êtes y voir sur les, sur alors, les propriétés. Là, Patrice, pardon. Voilà, voilà, là, voilà, voilà, c'est là. Simplement. Sont les petits. Depuis 2005, le département, chaque année, organise les week-ends nature. L'occasion pour nous, justement, de permettre à toutes les personnes qui le souhaitent de venir découvrir la nature sous toutes ses formes, dans sa diversité, les plans d'eau, les étangs, la forêt, les espaces naturels sensibles. Et vous savez que le département est une collectivité qui est à la tête d'un vaste patrimoine. Eh bien, nous voulons, à travers ces week-ends nature, faire en sorte que les Réunionnaises et les Réunionnais viennent, découvrent la nature. D'abord, bien sûr, pour la protéger, mais aussi pour que chacun ait en conscience que sans la nature, eh bien, la vie des hommes ne pourrait pas avoir lieu. Ici, regardez, nous plantons des pieds de bois avec les enfants de la Réunion, des écoles, du tampon, mais un peu partout sur toute l'île, nous voulons planter 1 million d'arbres, 1 million de pieds de bois. Ça, c'est un bois de golette. Mais il y a toutes sortes de variétés qui font la richesse de notre patrimoine. Eh bien, nous voulons faire en sorte, encore une fois, que le département, qui est à la tête d'un grand patrimoine naturel, eh bien, participe à la lutte contre les changements climatiques et à l'éveil à la citoyenneté à travers ce plan 1 million d'arbres. Nous avons entamé donc là, depuis cette année, la démarche. Le rapport a été adopté en assemblée plénière et nous avons un opérateur qui est la SPL Eden. Et avec cet opérateur, des associations, les communes, les habitants de l'île, nous voulons faire en sorte que sur les 5 prochaines années, eh bien, 1 million de pieds de bois soient plantés sur le territoire de la Réunion. Et plus tard, ben, il y en aura d'autres, mais au moins sur les 5 prochaines années, nous voulons 1 million de pieds de bois, comme ce bois golette. Alors d'abord, bien sûr, il faut tenir compte du contexte sanitaire. Nous avons fait en sorte que les publics qui sont accueillis, d'abord, il faut savoir les protéger. Donc il y aura les protections, solutions hydroalcooliques, le port du masque obligatoire quand on vient en groupe et bien sûr la distanciation. Donc tous les gestes, les protocoles sanitaires sont respectés durant les week-ends nature. Et la variété des sites, parce que ce soit dans le sud, le nord, l'ouest et dans toutes les micro-régions, nous avons organisé des week-ends nature. Moi, j'invite tout le monde à venir aussi bien sur l'étang de Saint-Paul, comme à Dioré, Forêt de Dioré, à Sillaos, aux Trois-Salaz, à Mascarin, à Saint-Leu, à Piton-Montvert, à Saint-Pierre, et bien sûr tous les sites, à Langevin, à Saint-Joseph, et bien vous aurez l'occasion, encore une fois, de vous balader, de respirer l'air pur. Et demain, c'est qu'il y a un espace dédié au fait qu'on puisse présenter à nos grands mônes, ceux qui ne peuvent plus se déplacer comme marcher, aller dans la forêt, et bien ici, au tampon, demain à Archambault, qu'il y ait un espace dédié aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, pour que ceux qui viennent ici et bien découvrir la forêt réunionnaise. C'est tout le programme que mène le département de la Réunion. Alors ici au domaine Archambault, l'association des apiculteurs dirigée par M. Payette ici présent, eh bien produit un miel d'excellente qualité. C'est le miel du domaine Archambault. Nous au département, on est fiers de dire que si vous voulez avoir des produits de qualité, ben, le miel c'est aussi un produit qui est fabriqué à la Réunion par des apiculteurs. Pour être en bonne santé, consommer du miel de la Réunion. Je voulais remercier M. le Président, il vient mettre en terre des plans. Et donc, il lance aussi, je veux dire, la plantation de millions d'arbres. C'est extrêmement important. Donc, au domaine Archambault, il existe déjà un reste de forêt primaire, donc entretenu par la SPL, donc Eden. Donc, c'est extrêmement important. Donc, ce miel-là est issu en partie de cette forêt-là. Donc, pas uniquement, puisque l'abeille a un rayon de 3 km d'action. Mais en partie de cette forêt-là, dans laquelle on trouve beaucoup d'espèces mellifères. Donc, le joli cœur, il y en a magnifique, pas loin, fleuri, du fleur jaune, du thym rouge. Hein, c'est vraiment la star pays qui donne le fameux miel vert, du thym George, etc. Donc, il y a une variété vraiment importante, une grande diversité de plantes. Et donc, merci au département de mettre ce site à disposition des apiculteurs, des abeilles, donc de faire des plantations. La ressource existe, mais elle n'est pas suffisante. Donc il faut absolument qu'on plante et qu'on replante. Donc c'est extrêmement important pour que les abeilles aient une ressource mellifère importante et diversifiée.